I'm Hulk Hogan, the greatest wrestler of all time. We're not worthy! We're not worthy! Got a spaceman, huh? No, actually, I'm a plumber. New World Order. Honestly, I can't go anywhere without getting a boner. How you doing? I live my life. Woo! The Rock says, "Sweet baby Jesus in the office." Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. J'espère que ça va bien à la maison. Je suis Nostradaben et j'anime cette émission avec mon grand ami de toujours, Johnny D. Comment ça va, mon Ben? Ça va bien, mais hey, ça sort en sacrifice. Le son dans le micro, il sort en bataille. Ben oui, ben oui, ben oui, c'est cool. J'espère que vous vous portez bien à la maison. Aujourd'hui, on voulait vous parler de l'émission, du film qui est sorti à la fin 2023, plus précisément le 22 décembre 2023, The Iron Claw. On est allé le voir ensemble au cinéma. Puis comment t'as trouvé ça, toi, The Iron Claw? L'histoire de la regrettée famille. Il reste seulement une personne, en fait. Ouais, c'est ça, de la deuxième génération qui est Van Erich. La famille maudite des Van Erich. Mais avant de parler comment j'ai aimé ça, je peux te dire qu'on n'était pas beaucoup dans la salle. Il y avait toi et moi, ton père, puis quelqu'un en séance diagonale en haut. Ouais. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que c'est un film quand même qui est supposé avoir attiré du monde. Là. Yes. Puis en plus, c'était pendant le temps des fêtes. Ouais. Fait que je m'attendais vraiment à ce que on aille... Qu'il y ait du monde, peut-être que ça ne l'a pas nécessairement attiré. Ou peut-être qu'ils sont juste venus le soir aussi. Oui, ça se peut. Histoire vraie qui, à mon avis, je ne pense pas qu'il a exagéré vraiment les faits parce que it is what it is. Il y a eu beaucoup de tragédies derrière toute la famille des Von Erich. T'sais, on pense au suicide, on pense... À la noyade électrocutée dans la flaque d'eau. Oui, puis on pense aussi à l'un d'entre eux qui est décédé dans sa chambre d'hôtel suite à des complications au niveau du ventre durant le tournoi au Japon. J'ai écouté des émissions par rapport à ça. Ouais, c'est David, le premier qui est mort. Yes. Puis, mais là, ils disent que c'est peut-être ses intestins, mais ça peut être peut-être d'autres choses. Ça peut être peut-être une overdose de drogue aussi, là. Ça peut être la maladie de Crohn aussi, qu'à l'époque, on connaissait plus ou moins. Ou la maladie Brock Lesnar avait quand il s'est fait enlever un mètre d'intestin. Ben, selon moi... Diverticulite, je pense. Selon moi, l'histoire des Von Erich, ce qu'ils ont montré, à mon avis, ça devait être encore pire que ce qu'on a vu. Tu sais, j'imagine là, que, tu sais... ils ont romancé ça un peu, c'est on a vu, ben, c'est sûr qu'ils ont romancé ça. Puis, tu sais, la consommation, là, il y en avait beaucoup plus que ce qu'on a vu, j'imagine. Tu sais, on l'a vu comme une fois ou deux, là. Mais, tu sais, c'était sans arrêt, là. Ah, il était assez painkiller. Surtout qu'Harry Von Erich s'était fait amputer une jambe. Ouais, c'est triste quand même. Ouais. Cette partie-là m'a vraiment venu me chercher tout particulièrement, là. Dans le film, il y a une scène où est-ce que Harry Von Erich est en réhabilitation, tu sais, pour essayer de recommencer à lutter, mais tu sais, il semble que, tu sais, on dirait que son pied n'est pas guéri encore, puis il veut déjà lutter, tu sais, je trouve ça, j'ai trouvé ça quand même assez lourd à voir. Ça a fait comme Brian Pillman, un peu, quand il s'était décrit sa jambe dans son hammer, là. Sauf que Brian Pillman ne s'est pas fait amputer la jambe, là. Ah. Mais il y avait de la douleur. Ça m'a fait penser un peu à ça. Oui, puis... il est mort pas longtemps après aussi. J'ouvre aussi une parenthèse. Là, le père des Von Erich, là, il était stiff en maudit avec les gars. Là, honnêtement, il n'y avait aucun sentiment. Là, ah oui, David meurt, là. Ouais. Je veux pas en voir un pour Oyu. Ah oui, c'est ça. Voyons aussi. C'est, pas... ben, c'est sûr qu'à cette époque-là, Ben, c'était comme ça. Tu sais, mais il marchait à strap. Puis, tu sais, excusez, la bonne femme, là, tu sais, la mère, là, Criff, elle était toute traumatisée, puis elle voulait pas reporter la même robe qu'elle avait eue, genre, d'un autre enterrement, puis tout ça, tu sais. Ah, c'était particulier, honnêtement. C'est un film, pour vrai, qui dure à la fois. C'est un suspense dramatique.
Ouais, c'est plus, comme je disais, un drame sportif qu'une biographie. Comme j'expliquais, tu sais, quand on est sorti du cinéma, hein, cinéma des chutes à Saint-Nicolas, pour être plus précis, quand on est sorti dehors, là, je vois un peu à la fin du film. Là. Ouais, puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'était assez dur pour vrai. Il y a des scènes qui ont marqué, puis j'imagine que toi, il y a des scènes qui ont dû marquer plus que d'autres. Là. Ouais, ben ça, on n'ouvrira pas de parenthèse. Non, mais tu sais, la mort, on l'a vécu. Ouais, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que ça a dû pogner au cœur un peu plus que nous, d'ailleurs. Puis il y a aussi une scène avec, Ric Flair. Ouais. Puis, l'acteur, pour vrai, il l'avait pas, là, zéro, là, tu sais. Ben, qui peut imiter Ric Flair? Ah, mais pourquoi ils ont pas pris Ric Flair pour faire Ric Flair? Ric Flair a chargé 10 000 piastres du mot qu'il dit, là. Mais, point positif sur le film, Zac Efron, qui interprète, dans le fond, Kevin Vairick, il est en super shape, il fait ça, man, comme un champion, pour vrai, c'est un des meilleurs dans le film. Mais quand tu t'arrêtes à ça, ça a plus l'air d'être un film sur Kevin que sur Levon et Rick. Ben, c'est ça que je suis pour te dire. Ben, tu sais, t'as raison un peu. T'as vraiment l'impression que c'est une autobiographie sur Kevin Von Erich puis tout ce qui s'est passé autour. Mais j'ai l'impression que c'était voulu pour aussi lui rendre hommage du fait qu'il est encore vivant. Ouais, il y a ça. Puis, j'imagine. Là. L'acteur qui fait Kerry Von Erich, Jeremy Allen White, un très bon acteur, sauf que ne lui ressemble pas très bien. Non, c'est juste ça. Vraiment pas. Et qu'est-ce que tu as dit dans mon oreille au cinéma? Il ne lui ressemble pas une couette? Chris, de... comment donc? Il ne ressemble pas une graine. Non, il dit ouais, c'est ça. Il y a Bruiser Brody. Ouais. Il ressemble de la face, gros barbu, sauf que Bruiser Brody mesure genre 5 et 10, alors que... Tu il achète à taz. Ouais, genre. Ouais, mais tu sais, il ressemble de la face. Non, non, c'est sûr, tu sais. Il aurait pu prendre n'importe quel autre gros gars, là. Ça aurait fait la job, mais tu sais, en tout cas. Terry Gordy, il ressemble pas pire. Mention honorable à MJF, ouais. Chavo Guerrero, qui se sont occupés de tout le côté théâtral, coordination, faire en sorte que ça ait l'air, les scènes aient l'air de la vraie lutte. C'est sûr qu'il y a certains trucs que c'est un peu comme boboche. Là, moi, j'ai trouvé Ric Flair. C'était vraiment mauvais. Là, ouais, c'est, sûr. C'est ce qui m'a laissé un petit peu sur mon appétit. Sinon, Lily James. La charmante Lily James, ça fait deux Pam qu'elle interprète quand tu t'arrêtes à ça. Ben oui. Peux-tu nous en parler? Ben là, elle fait Pam Atkinson qui deviendra l'épouse de Kevin Von Erich. Elle a fait Pamela Anderson dans Pam and Tommy. Bref. Ouais. Ça a l'air qu'elle est bonne pour faire des PAM. Fait que, crème, on va en faire d'autres, j'imagine. Je vais me huiler avec du PAM. Là. Yes. D'ailleurs, récemment, il y a eu la cérémonie des Oscars. Ouais, mais ouais. Tu sais, là, le film est sorti comme trop tard ouais, dans l'année. Ça, fait que j'imagine que pour 2024, du moins, je l'espère, qu'ils vont pouvoir gagner un Oscar ou quelque chose. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Puis Zac Efron, entre autres, mériterait vraiment de gagner un Oscar, je pense, pour peut-être la transformation, ou je sais pas trop, là, est-ce que... Ah, je viens de voir ça, Ryan Nemeth, qui est le frère de Dolph Ziggler, qui faisait Gino Hernandez, ouais, il ressemblait pas pire, ouais. Ouais, ouais, il y en a eu une couple, là, tu sais, qui était là aussi, là, tu sais. ensuite de ça, pendant que je parle des Oscars, ouais. Ah non, non, c'est pas le même gars. Excuse, j'ai rien dit. Ouais, je pensais que c'était Zac Efron, mais c'était un autre gars. On parle de film, là, Barbie, ils ont gagné la trame sonore de l'année. Bref, ça n'a pas rapport, mais je voulais te le dire. Ensuite de ça... Bref, Lily James avait fait une belle Barbie, mais ça... Ouais, 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 ouais. Puis c'était quand même intéressant de voir à quel point, genre, les gars étaient dédiés à la lutte. Puis, il y a une scène aussi qui m'a beaucoup marqué, où est-ce que, je crois que c'est Kevin, ben oui, en fait, c'est Kevin, parce que il allait plus coucher à la maison, parce qu'il pensait que ça porterait malheur au reste de la famille, puis que la famille, genre, pognerait la malédiction des Von Erich, puis il y en a un qui décéderait, tu sais. Fait qu'il couchait... Couchait avec sa couverte dans le bureau du bonhomme, là. Ben oui, il couchait à l'aréna, comment ça s'appelait, le World Class Wrestling. Ouais, WCW, au Texas. Ouais, ouais, c'est ça, l'amphithéâtre, tu sais. D'ailleurs, qui a été vendu par après, là, à la fin des années 90, ouais. Là, tu sais. Ben, peut-être plus 80. 90, je me souviens.
Bon, en tout cas, je pense que oui. Ben, à la fin des années 80, oui, t'as raison. Mais bref, l'amphithéâtre ressemblait au Toto Paul un peu. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais placé un petit peu comme la tour, hein, à l'époque à Québec, ouais. Hein, c'était un peu. C'est ça que mon père avait dit, que ça ressemblait beaucoup à la tour à être, Québec. Ça doit être quelque chose, lutin, là. Yes. Que ce soit à la tour ou bien à cet amphithéâtre-là. Ouais. Avais-tu autre chose à rajouter pour le Von Erich, mon ami? En tout cas, ça confirme ce qu'on avait déjà vu. Mike Von Erich, il n'avait pas nécessairement la vocation. Là. Il jouait de la musique, mais son père le poussait dans le cul pour que... Ben, moi, d'après moi, en tout cas, il... Tu sais, c'était blessé à l'épaule. Puis... Le gars, il joue vraiment bien son rôle, oh, là, mais ouais. Il a l'air d'un handicapé. Si ben là, il vient quasiment... Il a attardé, tu sais, Mike Von Erich, parce que... Il vient quasiment légumes. Non, la personne qui a fait... qui a interprété Mike Von Erich, t'as vraiment l'impression que Mike est arriéré mental dans le film. Est-ce que Mike l'était un peu? Tu sais, je sais pas trop. C'est particulier aussi, il y a une scène à un moment donné où est-ce qu'il se blesse à une épaule à la suite à un dropkick. Là, l'opération se passe pas comme prévu, il vire quasiment légumes. Ouais, c'est ça. Puis là, il finit par s'accrocher. Ouais, t'sais, son père, il le force à revenir tout de suite. Là. Ben, ça prenait comme un successeur pour David qui est à mort. Un successeur, hein, comme j'avais dit dans une de nos saisons. D'ailleurs, on est disponible sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. N'hésitez pas du tout de regarder l'émission qu'on a faite depuis à peu près 2 ans. C'est la famille Von Erich, très intéressant. Yes, tout à fait. Une petite rétrospective de la famille entière. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Vous allez découvrir plein de belles choses, des faits, des surprises et... Et plein de ça, et plein d'autres choses. Alors, ben, je pense qu'on a fait le tour, hein, de notre. Petit film qui a duré à peu près 2h10, là. Oui, tout à fait. Puis, selon IMDb, c'est quand même classé 8 sur 10. Oh, oui. Rotten Tomato, c'est presque 90%. 92% des utilisateurs, ils ont aimé aussi le film. Donc, on vous le recommande si jamais vous avez l'occasion d'aller au cinéma voir le film. Honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Et puis, en sortant du cinéma, on a discuté ensemble. Ça serait le fun qu'on se croise les doigts qu'il fasse un film sur la famille Hart. Ça serait vraiment sur nice la famille de Hart, pouvoir avoir... un film sur Bruce Brody, ça serait bon. Oui, tout à fait. Ça serait un chef-d'œuvre. Ouais, moi, du coup, j'aimerais vraiment ça. Alors, c'est ici que se termine notre émission spéciale sur le film The Iron Claw en version française, La Griffe d'Acier. J'étais avec mon collègue, ami de toujours d'enfance, Benoît Laferrière, a.k.a. Nostradamus. Merci beaucoup, mon Ben. Ça fait plaisir. Ne manquez pas notre première entrevue, notre première émission de la saison 5, les amis. C'est un... Notre saison 5, en fait, c'est... Ben là, c'est une émission bonus un peu qu'on fait. Là. Oui, c'est ça, c'est une émission bonus. Cette année, on a décidé pour la saison 5 que tous nos invités allaient être des invités mystères. Donc, vous le saurez uniquement lors que l'entrevue sera mise en ligne sur YouTube. Donc, on a déjà quelques personnes qui s'en viennent. On a déjà des entrevues faites. Donc, on a vraiment très hâte de vous présenter ça. On espère que ça sera une saison aussi intéressante et productive que celle de la saison 4, qui était une énorme saison. On vous invite d'ailleurs à aller visionner sur YouTube. Il y avait Tony Atlas, Tatanka, Sgt. Slaughter, WWE Hall of Fame, qui nous a offert une entrevue explosive. Et puis, je cède la parole si tu veux parler de d'autres choses là, avant qu'on ferme le micro. Ouais, ben c'est dans les autres entrevues, il y a Chili Willy, il y a le Brooklyn Brawler, la dernière qu'on a faite de la saison. Tout à fait, pour closer l'année 2023. Mike Mondes qui a fait partie du documentaire Beyond the Mat en anglais, puis en français, c'est Le vrai visage de la lutte. Yes! Alors, c'est ici que se termine notre émission. Merci beaucoup tout le monde. On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas! Salut !